Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo d'initiation à l'indépendance. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines notions qui nous seront très utiles pour accompagner un morceau ou nous insérer dans un contexte. On va plus parler de jeu, de musique, d'accompagnement, d'écoute, etc. Alors, dans ma manière de voir les choses, il y a plusieurs paramètres qui vont vous permettre d'agir sur, sur ce que vous allez faire dans l'ensemble musical, comme le tempo, comme la dynamique, donc l'accentuation ou non, le choix des sons, l'orchestration, les nuances. Donc tous ces paramètres-là, il va falloir les intégrer dans votre travail pour que vous les digériez bien et pour que ce soit exploitable musicalement. Le premier des paramètres, c'est le tempo. Vous allez avoir affaire à un choix au moment de commencer à travailler un des exercices. Je vous conseille de prendre le tempo le plus facile, le plus simple pour vous, celui qui vous posera le moins de problèmes. Après quoi, redétaillez bien, donc prenez un tempo très lent, style 50, 60 maximum. Et puis une fois que vous l'avez joué suffisamment et que vous êtes à l'aise avec, vous augmentez un petit peu le tempo petit à petit. Voilà, ça c'est le premier paramètre. En ce qui concerne l'accentuation ou la dynamique, alors il y aura deux paramètres. Vous allez pouvoir utiliser les outils techniques qu'on a appris dans les vidéos sur la gestuelle, les coups forts, les coups faibles, etc. et les appliquer sur la caisse claire, la grosse caisse, les cymbales, pour jouer par exemple un même groove, d'abord pas fort du tout, ensuite un petit peu plus fort, ensuite un petit peu plus fort, jusqu'à très fort. Ça sera un premier travail. Ensuite, il y a des variantes que vous pouvez introduire dans votre jeu de caisse claire ou dans votre jeu de cymbales. Donc des coups forts et des coups faibles. Alors il y a plusieurs manières de les faire. Donc déjà techniquement faire juste un coup fort mais avec le même son. Et ensuite en utilisant un son qui va produire une forme d'accentuation. C'est des paramètres à prendre en compte parce que ça va changer votre gestuelle. Donc le mouvement que vous allez faire pour produire le jeu de cymbales va un petit peu être différent, même si le rythme ne changera pas. Et ça, il va falloir pouvoir jouer avec ça et écouter ce que ça donne. Et en particulier quand vous êtes en train d'accompagner un morceau. Donc, voyez l'effet que ça va produire et demandez-vous si c'est pertinent par rapport au morceau, si ça va être bien ou si ça va prendre de la place ou nuire à l'effet général voulu. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous voyez bien où je veux en venir. Nous allons voir ce qu'on peut faire avec notre cymbale. Dans le premier exemple, je vais faire tourner un petit groove, un petit pattern, déjà tel quel, c'est-à-dire sous la forme la plus simple, où il n'y aura pas d'accent, rien du tout. Je vais juste jouer le pattern. Et ensuite, je vais commencer à interpréter sans changer le rythme, mais avec de l'accentuation. Le troisième paramètre qui est important pour moi, ça va être l'orchestration, c'est-à-dire le choix des sons que vous allez utiliser pour un groove donné. C'est-à-dire que ça ne va rien changer au niveau de l'indépendance. En revanche, les sons ne vont pas avoir la même incidence musicale du tout. Par exemple, si je prends la ride pour faire un jeu de cymbales ou si je prends le Charleston fermé, vous voyez que là, on a un son qui va durer 30 secondes, qui va prendre beaucoup de place. Et là, on aura un son très sec. Donc physiquement, ça ne changera pas grand-chose. Mais musicalement, ça sera très différent. Vous pouvez aussi utiliser les toms, les ouvertures de charlet, le dôme de la ride, les autres cymbales, fermer les sons, jouer en cross-stick sur la caisse claire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, et puis après, il s'agira de piocher là-dedans et de vous amuser avec tout ça.
sans perdre de vue les notions de rythme qui sont quand même fondamentales. Voilà. Pour illustrer tout ça, je vais vous montrer un petit exemple où je vais vous faire deux patterns, hein, en binaire et en ternaire, où je vais les interpréter en changeant l'orchestration, simplement. Je vais rester sur les mêmes rythmes, mais juste changer les sons. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, je vous recommande de mélanger tous ces concepts. Donc, tous ceux qu'on a vus dans ces 5 vidéos sont tout à fait mélangeables. Alors, prenez l'habitude de partir d'une idée simple, d'un exercice simple, que ce soit à votre portée. N'en faites pas votre ennemi. Donc, isolez bien les difficultés une par une avant de commencer à rentrer dans l'accentuation, l'orchestration, etc. C'est-à-dire, ça sera la phase de digestion où vous ferez l'expérience de comment ça va sonner, hein, ce truc-là, qu'est-ce que ça fait si je mets un accent, si je change le son, etc. Et ça vous donnera une idée plus précise de ce que vous pourrez faire sur tel ou tel morceau. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mélanger toutes ces notions, varier la façon de les travailler, ne les bossez pas toujours dans le même ordre, les mêmes patterns, etc. Essayez de jouer avec ça. Et bah pour ça, avoir un groupe, c'est une bonne idée, hein, ça vous permettra, ça sera un champ d'expérimentation très intéressant. Donc vous pourrez tester vos idées, voir si ça sonne, si ça sonne pas, si ça prend trop de place, etc. Si vous n'avez pas de groupe, bah, contentez-vous d'utiliser les disques, hein, ça sera déjà pas mal, ça vous donnera déjà des pistes. Les batteurs que vous entendrez vous donneront des idées, donc profitez-en, nourrissez-vous de tout ça. Et puis pratiquez toujours en vous amusant, en essayant de ne pas vous crisper. Hein, toujours pareil, de rester détendu, de bien respirer. Un batteur, c'est d'abord un corps qui respire. Donc ça, il faut que ça se passe bien. Voilà. Donc vous, comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos petits commentaires, vos petites questions. J'y répondrai. Donc amusez-vous bien avec tout ça et bonne continuation.